Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule et bien pour entamer ce mois de juillet 2023. Avant toute chose, je voudrais souhaiter de belles vacances pour toutes celles et ceux qui prennent leurs vacances au mois de juillet. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Eh bien, écoutez, pour le mois de juillet, nous allons faire un tirage par semaine. Vous allez avoir la possibilité de choisir parmi trois cartes, soit la 1, la 2 et la 3. Et nous allons prendre l'oracle des nombres. Nous allons entrer dans la magie de la numérologie intuitive. Cela veut dire liberté, le pouvoir, nouveau départ, inspiration, le lâcher prise, la réussite, le changement, etc., etc. Chaque nombre, n'est-ce pas, révèle sa propre vibration. Et entrer dans leur énergie, eh bien, on trouve des réponses. Et vous trouverez certainement des réponses à vos questions. Avec pour chaque carte que vous aurez choisie, n'est-ce pas, tout au long de ce mois, eh bien, avec une signification du nombre, un message divinatoire et des conseils et un message transformateur. Que la magie opère, n'est-ce pas, avec ce magnifique oracle des nombres. Alors, vous avez la possibilité de choisir carte 1, 2 ou 3, je me répète, excusez-moi. Donc voilà, je vais vous laisser le temps de choisir. Soyez bien à l'aise pour choisir votre carte. Posez votre question. Soyez bien à l'aise. 1, 2 ou 3, je vous laisse quelques instants. Bien. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1 pour le message de cette semaine du 3 au 9 juillet 2023, eh bien, c'est le chiffre 8, le pouvoir. Le nombre 8 symbolise, eh bien, la justice, le pouvoir et l'expansion. Et à travers une personnalité, il donne une grande force d'accomplissement et une énergie impressionnante, jusqu'à briser les obstacles sans chercher à les contourner. Alors le chiffre 8, c'est le symbole de l'infini, si vous ne le savez pas. En effet, si vous retournez le chiffre 8, que vous le positionnez à l'horizontale, eh bien, elle représente l'énergie sans fin, soit le signe de l'infini. Et ce nombre couché prend alors, eh bien, évidemment, toute autre dimension et il devient une forme cosmique qui facilite la connexion entre le monde terrestre et le monde spirituel. Alors, ce nombre symbolise, eh bien, le charisme, le magnétisme, le 8, a besoin de se réaliser en retrouvant son pouvoir personnel. C'est un fonceur, oui, c'est un fonceur qui agit d'abord et qui réfléchit ensuite, ce qui n'est pas toujours bon, n'est-ce pas? Il aime prévoir pour pouvoir contrôler, il est puissant, souvent infatigable et pas toujours facile à suivre. Il apprécie les gens forts ou réputés qui occupent une place prestigieuse dans la société. Il est matérialiste et relativement efficace dans le domaine de la finance. Et oui, c'est un excellent gestionnaire. Alors le 8 agit en lien avec l'énergie karmique, c'est-à-dire qu'il attire rapidement les fruits de ses actions ou de ses pensées. Avec lui, on peut parler, n'est-ce pas, de loi d'attraction ou de loi du boomerang. Il récoltera tout ce qu'il aura semé. Attention, en bien et en mal. C'est pour ça qu'il faut toujours semer du bien, de l'amour pour récolter tout cela.
Il aime aussi agir vite, il peut se montrer exigeant, impulsif et malheureusement quelquefois coléreux. Alors son franc-parler lui joue parfois des tours. Et dans ces cas-là, il est bon de tourner sa langue cette fois, n'est-ce pas, avant de dire quelque chose. Il est aussi doté d'un sens aigu de la justice et aime être en accord avec la réalité et la vérité. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, d'assez franc et loyal. Il a un immense besoin de reconnaissance et il fera tout ce qui sera en son pouvoir pour être connu, validé et aimé. Et il possède souvent des énergies de guérison pour aider les autres. Alors pour celles et ceux qui ont choisi cette carte numéro 1, vous avez, pour certains d'entre vous, une énorme confiance en vous. C'est très très bien, vous prenez votre place, vous osez. Présentement, vous osez prendre votre place. Vous osez vous exprimer, exprimer votre vérité. Et vous utilisez vos forces magnétiques. Eh bien, pour ceux avec qui ça va parler, c'est le moment de faire fructifier vos avoirs ou de vous occuper de vos finances. C'est une belle période cette semaine-ci pour faire fructifier, pour mettre en place, pour concrétiser ce que vous avez décidé de faire. Peut-être que vous avez mis des choses en place au point de vue de votre travail, au point de vue de votre vie familiale, au point de vue amical. Eh bien, il faut concrétiser tout cela. Il vous est proposé de montrer de quoi vous êtes capable. Et Dieu sait que vous avez des forces en vous, n'est-ce pas? Vous devez rayonner pour obtenir le succès que vous recherchez. Donc rayonner, vous pouvez aussi agir. Eh bien, pour régler peut-être une affaire en lien avec la justice. Si maintenant vous avez un litige avec votre propriétaire, avec une amitié, avec une séparation, eh bien, réglez cette affaire hein, et ce sera salutaire et vous aurez gain de cause. Agissez sans vous précipiter et faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez confiance, donc vous avez pris le taureau par les cornes. Vous avez pris votre place. Vous exprimez votre vérité, donc foncez. Vous avez le pouvoir cette semaine-ci de concrétiser des choses belles et des choses évidemment qui sont un peu plus délicates, mais vous avez le pouvoir et avec le chiffre 8, c'est un succès. Alors, le message de transformation, je prends ma place et je rayonne. J'exprime ma vérité avec simplicité et bienveillance. J'utilise mes forces magnétiques pour aider mon prochain. Je cherche à vivre selon les lois de la justice divine. Voilà sur ces beaux messages de transformation. Je vous souhaite une excellente journée et puis une excellente semaine. Et on se retrouve pour une autre capsule. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À bientôt. Si vous avez choisi la carte numéro 2 pour le message de cette semaine du 3 au 9 juillet 2023, j'ai piché le numéro 41 et c'est le changement. Alors, le nombre 41
apporte généralement des changements bénéfiques dans la vie. Le 41 possède une excellente vibration, souvent synonyme de chance dans le domaine sentimental et professionnel. Pour certains, eh bien, l'inspiration et le mérite sont souvent récompensés par le succès. Et dans le domaine personnel, pour d'autres d'entre vous, vous avez eh bien, l'énergie et les ressources qui vous permettront de surmonter les obstacles et les situations difficiles. Le seul risque avec ce nombre 41 réside dans la recherche effrénée de plaisir, dans les excès de toutes sortes ou la recherche de liberté sans aucune limite, ce qui pourrait engendrer, n'est-ce pas, des problèmes, de l'instabilité et autres soucis. Donc attention, mais je l'ai pigé à l'endroit cette carte. Alors ce nombre favorise, comme je l'ai dit plus haut, des changements bénéfiques. Il est source de plaisir et de satisfaction. Dynamique et audacieux, le 41 possède en prime toutes les ressources nécessaires pour venir à bout de situations complexes grâce eh bien, à sa faculté à surmonter les obstacles. C'est un amoureux passionné et souvent un séducteur attiré par les plaisirs des sens. Il devra dominer ses excès de toutes sortes pour ne pas se laisser embarquer dans trop de frasques amoureuses qui pourraient lui faire perdre le sens des réalités. Il aspire néanmoins au bonheur dans sa vie sentimentale qui sera pour lui un tremplin pour son évolution spirituelle. Alors, pour ceux et celles qui ont pigé qui ont choisi la carte numéro 2, eh bien, vous êtes dans une période où vous acceptez l'évolution. Vous acceptez d'évoluer. Donc, c'est une très, très belle période cette semaine pour vous. Vous vous épanouissez dans votre vie sentimentale. Vous surmontez les obstacles et vous vous libérez des affaires, des frasques de la passion, on va le dire comme ça. Alors le 41, c'est le signe qu'il est temps. Il est temps pour vous d'aller vers le changement. Votre vie vous semble monotone et quelque chose de différent et bénéfique s'offre à vous. Maintenant, si vous êtes dans une relation amoureuse où vous ne trouvez plus de plaisir, eh bien, c'est l'opportunité de changer, n'est-ce pas? Vous avez le droit d'être heureux, heureuse. Hein? N'ayez pas peur de prendre des risques, de prendre la décision de changer. Le moment est venu de tenter de nouvelles expériences plus en harmonie avec la personne que vous êtes devenue. Peut-être que dans cette relation, vous n'y trouvez plus votre compte. Peut-être que vous êtes au bout de cette relation, n'est-ce pas? Donc, on vous invite, hein, je vais le dire comme ça, on vous invite à prendre des décisions, à changer le mode de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? En fermant cette porte ici, vous en ouvrirez une autre. On a l'impression que ça sera salutaire pour vous. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une spirale. Vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes perdu. On vous invite à aller de l'avant. Vous trouvez votre vie monotone. À la limite, vous vous demandez qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui quand vous allez vous lever? Qu'est-ce que va être votre journée aujourd'hui par cette monotonie que vous avez, que vous ressentez? Donc voilà, carte changement. Alors le message de transformation, je m'ouvre au changement
Il est temps pour moi de sortir de ma zone de confort en me faisant plaisir. Je me laisse guider par mon intuition en sachant que j'ai en moi toutes les ressources nécessaires pour arriver au succès que je mérite. Fruit de mes actions passées. Donc voilà, message de transformation. Ayez confiance en vous, sortez de votre zone de confort. Oui, c'est peut-être difficile pour vous parce que bon, évidemment, vous ne savez pas ce qu'il y a en sortant de votre zone de confort, mais dites-vous que ça sera salutaire pour vous. Eh bien voilà le message pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À tout bientôt. Si vous avez choisi, voilà la carte numéro 3 pour le message de cette semaine du 3 au 9 juillet 2023. J'ai pigé le chiffre 9, l'altruisme, le nombre 9, eh bien, est la marque de l'accomplissement final de l'universel. Il permet d'ouvrir, n'est-ce pas, les horizons et d'élever les consciences. Il est l'amour et le positif. Et le nombre 9 est un des nombres principaux en numérologie qui symbolise le bilan, la récolte de ce qui a été semé. Le 9 est de nature généreuse et humaniste. C'est un grand idéaliste, souvent rêveur, qui aspire, eh bien, à un monde meilleur pour l'humanité. Il se plaît à imaginer que les hommes sont tous reliés les uns aux autres et qu'ils peuvent se donner la main. Alors, ils aiment voyager, non pas comme le 5, n'est-ce pas, dans le but de se faire plaisir, mais plutôt pour comprendre ce qui différencie les peuples, la diversité de leurs coutumes et de leurs traditions. Ces voyages préférés, eh bien, sont ceux qu'il peut faire dans l'astral, car il s'évade souvent par l'esprit. Il a besoin de développer ses connaissances en s'informant, en suivant des cours ou des formations, ou tout simplement au travers de ses expériences personnelles, n'est-ce pas? Il est attentif aux plus démunis et peut déployer son altruisme en participant à des œuvres caritatives. Il est profondément dévoué et désintéressé et il pense sincèrement que les autres doivent passer avant lui. Alors le chiffre 9, eh bien le cycle de 9, c'est la concrétisation, c'est on termine la boucle. Alors peut-être que certains d'entre vous, eh bien vous allez transmettre vos connaissances. Vous allez peut-être vous élever en vous ouvrant aux autres, vous aider autrui sans attendre de retour. Donc vous allez aider les autres sans attendre. Vous êtes présent et vous êtes bien incarné, n'est-ce pas? Pour certains d'entre vous, vous avez probablement quelque chose d'important à terminer. Comme je l'ai dit, un cycle de 9, n'est-ce pas? Et 9, on termine la boucle. Peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation ou peut-être à une relation qui ne vous apporte plus rien de positif ou qui ne vous convient plus. Peut-être que vous êtes dans une relation où... Pardon. Il n'y a plus d'issue dans votre relation. Vous avez fait le tour et malheureusement, bien, vous n'êtes plus épanoui. Donc, il faut peut-être mettre un terme à cette relation qui sera probablement bénéfique pour vous. Si maintenant, c'est dans le milieu professionnel, eh bien... Voilà, il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là.
Et puis si c'est dans vos relations amitié, il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là. Donc oui, le 9, c'est on termine quelque chose, n'est-ce pas? On termine un cycle. Le 9 vous invite à bien à boucler la boucle afin de passer à autre chose, vraiment, hein? Et avec le 9, vous pourriez faire profiter les autres de vos connaissances, pourquoi pas, ou vous inscrire à des cours ou à une formation, ou pourquoi pas faire un cursus. Tout ça, ça sera vraiment bénéfique pour vous. Vous terminerez la boucle, eh bien, peut-être en faisant une formation, en faisant un cours, en faisant un cursus. Donc voilà, ça c'est pour voilà le chiffre 9. Il y a quelque chose que vous devez terminer, et même si ça vous pèse, eh bien, pas toujours facile de prendre les décisions, n'est-ce pas? De terminer quelque chose, parce que bon, évidemment, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que l'avenir réserve, et d'où la difficulté de prendre des décisions. Mais quelque part, quand on n'est pas bien psychologiquement, est-ce que bon, on doit continuer à ne pas être bien, avoir sa liberté de penser, avoir être épanoui psychologiquement, physiquement? Peut-être que vous êtes dans une relation toxique et que la décision est très dure, très pénible, mais il y a une décision à prendre. Voilà. Le message de transformation, eh bien, je donne et je partage avec les plus démunis. Cela me rend heureux. Je prends aussi soin de moi, en sachant que je le mérite. Nous sommes tous reliés à la source d'amour infini, et je dirais même plus à l'amour inconditionnel. Bien voilà, pour la première semaine de ce mois de juillet, je vous souhaite une excellente journée, et puis on se retrouve dans une prochaine capsule, et d'ici là, portez-vous bien. Et pour ma part, je vous embrasse. À tout bientôt.